Après le 7 octobre, les historiens de la Shoah et de l'antisémitisme ont été sollicités par les médias pour commenter l'événement qui est au cœur de l'actualité depuis 3 mois à ce jour. Et pour aider aussi le public à y voir plus clair. Et la question se pose de savoir ce que les historiens de ces questions ont en effet à nous dire aujourd'hui et maintenant depuis la discipline qui est la leur. Et il faut d'ailleurs noter qu'ils n'ont pas seulement été sollicités, beaucoup ont pris la parole directement, notamment dans le monde américain, pour prendre des positions politiques souvent. Des tribunes ont été diffusées, des polémiques au sein du monde académique ont eu lieu, en question principalement la manière dont l'histoire et la mémoire de la Shoah ont fait retour, dont elle pourrait par exemple être instrumentalisée dans le conflit en cours. Alors bonjour Tal Brutman, vous êtes vous-même un historien spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme, et c'est pour réfléchir à partir de cette situation que je viens de très brièvement résumer, qu'on va déployer j'espère ensemble dans cet entretien, que je suis très heureux donc de... qu'on puisse échanger autour de ce point-là. Hein. Je voudrais rappeler que votre dernier livre, paru aux éditions du Seuil, était consacré à l'album d'Auschwitz et analysait comment les nazis avaient photographié leurs crimes. Et je le rappelle d'autant plus que j'aimerais commencer par vous poser une première question qui va nous mener en fait progressivement au thème qui est le nôtre. Vous avez travaillé sur les archives visuelles de la Shoah et je voudrais vous interroger sur la place prise par les images depuis le 7 octobre. Et je pense évidemment surtout à ce fait que les criminels du Hamas ont voulu enregistrer et diffuser les images de leurs crimes au moment même où ils les commentaient et que, en gros, on peut dire que depuis le 7 octobre, en parallèle ou corrélativement à la guerre réelle qui a lieu avec les corps des êtres humains qui sont confrontés les uns aux autres, il y a une guerre des images, évidemment, qui embrase toute la médiasphère mondiale. Donc. Il y a énormément de choses de ce qui est en train de se dérouler, de ce qu'on est en train de vivre, ce qu'il faut quand même mettre en perspective. Et cette notion de guerre des images que vous venez d'évoquer en introduction, il faut quand même souligner que ce n'est pas nouveau. Et que concernant Israël, Palestine, il y a une guerre des images depuis quasiment, on peut remonter jusqu'au moins la première intifada, voire la guerre du Liban. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que le cercle dans lequel ces images se diffusent est immensément plus important aujourd'hui, vous l'avez dit, à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet, où il y a une démultiplication des pourvoyeurs d'images, des tuyaux qui font circuler les images. Et puis qu'à l'intérieur de cette guerre des images qui a lieu depuis longtemps, ce télescope, la question des images produites par le terroriste dans une nouvelle politique des images qu'ils ont, disons, on va très vite depuis le 11 septembre. C'est exactement ça. Mais, et c'est là où on voit qu'il y a une conjonction d'énormément de choses qui étaient avant plus ou moins séparées, qui appartenaient à des champs différents. Israël-Palestine, d'un côté, c'est une chose. Les images du terrorisme international, c'est encore autre chose. Et pour la première fois, on a un recoupement où on a tout ça qui est concentré en un même point. En gros, le sud d'Israël et la bande de Gaza, ce qui est appelé la ceinture de Gaza en Israël, la partie israélienne, et dans la bande de Gaza, tout ça avec l'attaque terroriste du 7 octobre et les conséquences de cette attaque et la guerre qui est en cours, avec des images qui circulent dans tous les sens, produites par une myriade de personnes, d'acteurs ou de non-acteurs, sans parler de la presse internationale. Autrement dit, il y a une profusion d'images qui sont centrales dans la manière dont les choses sont évoquées. Il suffit de prendre l'épisode de l'hôpital Al-Shifa où immédiatement, et là en absence d'images de l'événement, c'est-à-dire des supposées conséquences de l'événement puisque on n'a pas d'image du bombardement, mais immédiatement il y a un emballement où tout de suite on accuse Israël d'un énorme crime avec des centaines de morts. Puis finalement, les images montrent autre chose. Et c'est là aussi où on se rend compte à quel point les images peuvent être négligées. C'est-à-dire, avant même qu'on puisse constater ce qui s'était passé, je ne parle même pas de savoir d'où venait le tir qui, apparemment, n'a aucun rapport avec Israël, eh ben, on a tout de suite eu la mise en place d'une narration qui voulait qu'il y ait un bombardement massif causé par Israël et qui provoquait des centaines de morts en l'absence d'images. C'est là aussi où ça permet de réfléchir à quel est le rôle des images. En fait, les images, elles viennent souvent conforter un discours qui est préexistant. C'est-à-dire, Israël est coupable. Mathilde Panot l'a dit à merveille à propos de l'hôpital d'Al-Shifa. Comment on sait que c'est Israël? Parce que Israël ment. C'était aussi simpliste que ça, aussi débile que ça, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et pourtant, ça a été tenu publiquement par la patronne du groupe LFI à l'Assemblée. Israël ment,
Donc, vu qu'Israël ment en général, enfin, c'est ce qui fait l'État israélien, c'est le mensonge. Le Hamas ne ment pas, lui. Et ben donc, c'est donc la preuve que. Et ça montre à quel point, justement, il faut essayer de réfléchir à ce que représentent les images dans un dispositif ultra-idéologisé. Quel que soit le camp de l'idéologie, les images ne viennent que nourrir ou pas, et si elles ne nourrissent pas, elles n'existent pas, le discours préexistant. Je comprends. Mais pour revenir juste un instant à la situation qui est la vôtre, à savoir d'un historien qui a travaillé sur les archives visuelles de la Shoah, et notamment qui s'est penché sur l'album d'Auschwitz, si on oppose les deux situations, c'est que d'un côté, il y a un crime gigantesque avec une rareté d'images absolues qui ne circulaient pas à l'époque, qui sont revenus un peu comme des fossiles archéologiques qu'on découvre progressivement, à aujourd'hui une saturation pléthorique d'images qui sont bombardées en temps réel. Vous avez raison. Il y a cette différence que vous soulignez, mais en même temps, il n'y a pas tant de différence que ça en matière de réflexion par rapport aux images. Et quand justement je pointe le fait que les images qui circulent de manière profuse aujourd'hui, pourtant elles ne viennent qu'en appui d'un discours, elles ne sont pas prises pour un enseignement, c'est exactement le même problème qui sous-tend l'usage des images de la Shoah. Parce que les images de la Shoah, c'est ce qu'on a essayé de montrer avec l'étude qui porte sur l'album d'Auschwitz, elles sont très mal comprises. Elles ont pendant très longtemps été comprises comme appui d'une supposée connaissance. Pour simplifier les choses, l'album d'Auschwitz que à peu près tout un chacun a croisé à travers une image ou une autre du moment qu'il a vu quelque chose sur Auschwitz, il a vu une de ces images. Ça, jusqu'à notre travail, était pris comme une instance de confirmation de ce qu'on pensait savoir, alors que justement, elles disent tout autre chose du moment qu'on réussit à se mettre dans une position qui nous permet de les comprendre. Ce sont des photos faites par des SS qui montrent des juifs au sens SS du terme, c'est-à-dire des êtres hautement méprisables qu'on va tuer, alors que nous, on les voit comme des photos nous montrant des victimes qui vont être tuées et qui l'ignorent. Et c'est là où il y a justement une différence entre ce qui a été montré, par qui ça a été montré et pourquoi ça a été montré, et la manière dont nous on les reçoit et on les comprend. Et il y a toujours, enfin toujours ou quasiment toujours, un écart entre le producteur d'image et la réception. Et la compréhension qui en est faite, et ça vaut pour hier comme pour aujourd'hui d'une certaine façon. C'est pour ça que l'épisode Al-Shifa est très intéressant à cet égard. Bon, on va, en fait, tout ça nous permet d'avancer sur, je pense, la question principale qui nous anime aujourd'hui et la raison pour laquelle je voulais qu'on discute, vous et moi, à savoir qu'est-ce que ça signifie, on pourrait dire, que cette histoire de la Shoah... Cette histoire de la mémoire de la Shoah, il faut bien distinguer les deux choses, l'histoire de la Shoah et l'histoire de la mémoire de la Shoah, qui sont d'ailleurs deux champs disciplinaires, font retour de manière massive depuis l'événement du 7 octobre. Alors, on pourrait presque prendre le temps de voir comment ça fait retour, sous quel mode. Par qui ? Dans quel contexte ? Il y a aussi quelque chose là qui est un peu comme les images et de l'ordre de la saturation, de la profusion, d'un sentiment d'asphyxie qui fait que Shoah, la référence à la Shoah, que ce soit valorisé par certains qui s'en rapportent ou que ce soit critiqué par ceux qui en critiquent l'instrumentalisation, est absolument omniprésent dans l'ambiance, dans l'atmosphère qui commente cet événement. Vous, comment ? En tant qu'historien de la Shoah, et d'ailleurs vous avez été sollicité par des journaux pour parler presque spontanément, ça a été un réflexe, j'imagine, de la part des rédactions de journaux, d'appeler des historiens comme vous. Comment vous percevez ce phénomène ? Parce que l'événement qui s'est produit le 7 octobre est un événement qui constitue une rupture très importante pour plusieurs raisons. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, ça ne veut pas dire que à partir de ce moment-là, on ne tue plus de juifs, il y a encore des pogroms en Pologne, il y a aussi des pogroms ailleurs, il y a des pogroms en France, en Angleterre, au même moment, et c'est là aussi où la notion de pogrom doit être interrogée, et on continue à tuer des juifs, par exemple à Cracovie, ou dans d'autres villes de Pologne, il y a des juifs qui sont tués parfois par dizaines. Mais à partir de 1945, il y a cette idée que l'antisémitisme est banni, et qu'il n'a plus voix au chapitre, et ne peut plus s'exprimer, et qu'en plus, au même moment, les juifs
en Palestine mandataire obtiennent la reconnaissance internationale, la création de l'État d'Israël qui est censé protéger les Juifs et qui suit chronologiquement, même s'il n'est pas lié à l'événement, la Shoah et la fin de la Shoah. Et quand je dis ça suit, mais c'est pas lié, un État juif, c'est une idée qui remonte à la fin du 19e siècle, notamment par Herzl, et le développement de la naissance de l'État juif n'est pas lié mécaniquement à la Shoah qui aurait été une... La naissance n'est pas une compensation faite par Joseph Staline, tout en bonté, ou les États européens, tout en bonté et en excuse aux Juifs. Donc la naissance de l'État d'Israël marque le moment où finalement il y a cette idée pour une partie des Juifs qu'il y a un État juif où les Juifs seront en sécurité de l'antisémitisme. Or le 7 octobre vient faire une rupture totale avec cette idée majeure. En gros, Israël doit empêcher que quelque chose qui puisse avoir avec un massacre massif de Juifs puisse avoir à nouveau lieu. Mais en plus, on peut rajouter qu'en 1948, parmi les immigrants qui arrivent massivement, il y a énormément de rescapés de la Shoah qui étaient coincés dans les camps de DPs, de Displaced Persons, en Allemagne et en Autriche notamment, et qui trouvent à peu près. Voilà, et qui trouvent un havre, un refuge, et c'est ça la mission première d'Israël. Or, le 7 octobre, c'est la conjonction de deux choses, la fin du havre, on attaque des Juifs parce qu'ils sont Juifs. La fin du refuge, disons. Et en plus, c'est un massacre de masse où il y a 1200 personnes qui sont tuées. Quelque chose de très intéressant à la suite de mes interventions, régulièrement, souvent par des soutiens de la France insoumise, comme réaction sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi, le Hamas n'a pas attaqué des Juifs, il a attaqué des Israéliens, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, ce qui est très intéressant comme position, parce que c'est faire peu de cas des déclarations des tueurs. Donc, dans le film qui a été montré par Israël, on voit notamment un tueur qui appelle sa mère et qui dit « Maman, j'ai tué 10 Juifs », il ne dit pas « J'ai tué 10 Israéliens », ou alors les déclarations du Hamas, les 7, 8, 9, 10 octobre, disent « On tue des Juifs », même s'il n'y a pas eu des Juifs qui ont été tués par ailleurs. Et c'est là où il y a quelque chose de fondamental, c'est que les antisémites, depuis l'URSS, pour ne pas dire « sale juif », ils disent « sale sioniste ». Ça a été récupéré par plein de mouvements antisémites comme la Nation of Islam aux États-Unis qui a développé cette idée, qui a été introduit massivement en France par Dieudonné et Soral et qui aujourd'hui pullule de partout au point que même l'extrême gauche, voire une partie de la gauche, parle de sionistes à longueur de journée et une partie d'entre eux parle de sionistes pour ne pas dire juifs. Et même si dans le lot des 1200 victimes, il y a effectivement des bédouins ou des travailleurs étrangers comme des Thaïlandais, des Népalais ou des Philippins qui ont été tués. Des Arabes israéliens. Oui, et des Arabes israéliens, et les Bédouins en font partie. Mais comme dans d'autres tueries de masse, on tue l'objectif et puis on emporte tout ce qui passe à côté au même moment. Ils avaient qu'à pas être là. S'ils sont là, c'est au minimum qu'ils sont complices, sinon coupables. Ce qui montre à quel point cet événement, non seulement il induit une rupture par rapport à des projections d'espérance, c'est la fin du refuge, là où les Juifs ne seraient pas attaqués en tant que Juifs. C'est le premier massacre d'ampleur, parce que les pogroms qui suivent la Seconde Guerre mondiale, c'est une chose, mais on parle de, au maximum, quelques dizaines de victimes. Kielce, le pogrom, c'est 45 personnes, je crois. Et Kielce est le plus important d'entre tous. Il y a Cracovie un peu avant, où il y a... Et ces pogroms, c'est, on va dire, Kielce, c'est 50 personnes, en gros, au maximum, parce que là aussi, les chiffres sont mal connus pour tout un ensemble de raisons. Cracovie, ça serait 8 personnes. Il y a d'autres endroits. Il y a Jan Gross et d'autres historiens polonais ont travaillé et ils ont estimé qu'il y a environ entre 1200 et 1500 juifs qui sont tués avant la fin des années 40 en Pologne dans le cadre de violences antisémites. Mais c'est intéressant de noter que Kielce, c'est 45 personnes et que le traumatisme est immense au point que quasiment 75 à 80% des juifs polonais qui sont encore présents après 45 sur les 250 000 présents décident de quitter Pologne. Oui, qu'il se... Donc ça dit quelque chose. Oui, ça provoque l'émigration massive. Pogrom Israël. Là, exactement. Et justement, la raison pour laquelle Israël, d'emblée, apparaît comme le havre, le refuge qui peut accueillir les juifs persécutés. Or, pour la première fois, on est venu tuer massivement des juifs dans le Havre. Et il faut insister là-dessus. Ce n'est pas la première attaque terroriste qui a lieu en Israël. L'OLP, le FPLP, dans les années 60-70, ont régulièrement fait des attaques contre les kibboutz ou alors dans des villages alentour des frontières. Mais on avait quelques victimes, quelques dizaines de victimes. Là, on est sur une toute autre échelle. Toute autre échelle. Et en plus,
on a une opération, au sens militaire du terme, ultra planifiée. Alors, il y a la dimension de filmage qui fait partie de ce qui a été planifié, mais il y a aussi tout ce qui a été planifié et qui participe de l'opération. Les viols, les mutilations, tout ça fait partie intégrante de l'opération, et on le sait pourquoi, parce que c'est récurrent. À chacun des dizaines de massacres qui constituent cet immense massacre, on retrouve les mêmes méthodes, le même déferlement de violence. Il s'agit juste, simplement pas d'exécuter des gens. On les attrape, on les tue, ce qui se suffirait déjà par lui-même. Mais il y a toute la dimension de on capture, on viole, on mutile, on tue, ou alors on emmène en otage. Je pose la question vraiment à l'historien de la Shoah là-dessus. Est-ce qu'on peut dire, moi, je vous avoue que ça a été mon premier réflexe le 8 octobre quand je découvre tout ça, c'est de me dire il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion exterminatrice qui a été jouée à ce moment-là. Est-ce que c'est raisonnable, rigoureux de dire les choses en ces termes, selon vous ? Moi, je suis historien. Je ne suis pas psychologue ou psychanalyste ou psychiatre. Je ne me réfère pas aux pulsions ou à ces choses-là. On a affaire à une organisation terroriste. Il n'en demeure pas moins que c'est un parti politique avec une idéologie très fortement structurée, avec une branche militaire, et que ce qui s'est produit le 7 octobre est une opération militaire avec des objectifs. Donc, les objectifs, c'est quoi ? C'est de tuer des Juifs, d'en capturer pour en faire des otages et les ramener dans la bande de Gaza comme monnaie d'échange ou monnaie de marchandage plutôt. Mais ça ne relève pas de la pulsion. Il a été planifié de tuer au maximum. La récurrence, ce que j'évoquais juste avant, des viols, des mutilations, montre que... Non, pulsion n'était pas un bon mot, je suis d'accord. Ça fait partie intégrante de l'opération et l'opération est là pour porter un coup ultra-violent à la société israélienne. En fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de pointer le mot extermination. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de faire une opération militaire, d'aller massacrer, enfin, d'aller tuer ses ennemis, que d'aller manifester quelque chose comme un désir de les détruire, de les exterminer. Quelque chose qui renvoie à une intention qui dépasse... Le geste militaire à proprement parler. Quand j'ai opération militaire, j'ai pas dit combat contre une armée. J'ai dit une opération militaire qui vise à la destruction de population civile. Faut entendre chaque mot. C'est une opération réalisée par une armée. Le Hamas est une armée, une milice. Mais c'est une milice armée, donc une organisation militaire qui est lancée. Son objectif militaire, c'est des civils qu'il faut tuer. Ça s'appelle une opération d'assassinat ou d'extermination. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, on est d'accord. Mais simplement, il faut vraiment comprendre que quand on analyse ça, en tant qu'historien, en tant que spécialiste, des violences de masse ou de l'armée, un militaire, pour analyser de la même façon que moi, on est dans des champs d'analyse qui disent les choses d'une manière qui peut paraître froide, mais qui qualifie l'événement tel qu'il s'est déroulé. Le terme exterminé est impropre parce que ça renvoie à tout un ensemble de choses. Et là, j'invite à lire Raoul Hilberg pour voir les problèmes que ça pose. C'est une opération d'assassinat. On assassine des êtres humains. Ça veut dire qu'on a lancé environ 2500 à 3000 membres du Hamas avec comme mission de tuer tous les Juifs qu'ils trouvaient. Et à nouveau, dans le film qui a été montré aux journalistes et aux diplomates par Israël, on voit qu'à un moment, un ordre est donné d'arrêter la tuerie et de ramener les otages. Autrement dit, on a énormément d'éléments qui montrent à quel point c'était planifié et codifié. Il y a carte blanche pour tuer tout ce qu'ils peuvent trouver. Et en même temps, il y a quand même l'idée qu'il faut en garder en vie, et on le voit par moments sur des images, tous ceux qui rencontrent ne sont pas exécutés immédiatement. Il y en a qui sont mis de côté pendant qu'ils en tuent d'autres. Pourquoi ils les mettent de côté ? Parce qu'ils savent qu'ils doivent ramener un quota à l'intérieur de la bande de Gaza. Si on s'en remet du côté du droit international, on est face à quelque chose qui est au minimum relève de la qualification juridique, et je n'ai pas trop rentré là-dedans, mais qualification juridique de crime contre l'humanité, contrairement à ce que raconterait par exemple Mélenchon et sa horde, c'est pas du crime de guerre, c'est du crime contre l'humanité à minima. Voire il y a une idée qui relève du génocide. Voilà, voilà. Mais il faut poser les choses pour ce qu'elles sont et s'en remettre à ce que dit le droit international. Bon, on arrive peu à peu à la question, parce que le mot génocide, évidemment, puisqu'on accuse aujourd'hui Israël de commettre un génocide, il y a eu des polémiques autour de cette accusation, on va y revenir. Mais en fait, tout ça rentre dans une question plus générale de constater que à quelque camp qu'on appartienne,
La référence à la Shoah est opérée. Et moi, c'est cette opération que je voudrais que vous me commentiez, qui consiste pour les Israéliens à se référer à la Shoah. Alors évidemment, il y a toutes sortes... Alors pour le coup, des causes psychologiques sur lesquelles vous pourriez revenir. Hein. Il y a un réveil de trauma, retour du refoulé, ou quelque chose qui remonte, une surgie... Enfin bon, mais aussi du côté de ceux qui vont critiquer l'instrumentalisation de la Shoah d'Israël, qui vont ensuite, de la même manière, faire en même temps ce qu'ils critiquent de la part d'Israël, à savoir qu'ils instrumentalisent eux-mêmes la Shoah, puisqu'ils vont dire « Israël sont des nazis », etc. Donc cette espèce de... Comment dire, de, alors on parlait de guerre des images, mais là de guerre des mots et de chaos conceptuel en vérité, pour décrire les choses, comment vous, vous le voyez? Et comment, j'imagine que ça vous agace. D'abord, il faut comprendre qu'il y a un problème majeur en Israël, c'est à quel point Israël a fini par être gangréné par le poids de la Shoah. Initialement, en gros, sur les 30 premières décennies de l'histoire de l'État d'Israël, là, je renvoie par exemple au livre de Tom Segev, Le septième million. Israël rejette l'histoire de la Shoah. Ça ne fait pas partie de son ADN. Et les rescapés de la Shoah sont d'ailleurs très mal accueillis initialement par les pionniers. Et puis, peu à peu, la Shoah est devenue partie intégrante de l'ADN israélien, à un point exacerbé. Mais évidemment que le pire trauma, si on reprend le terme, le pire trauma de l'histoire des violences antisémites est constitué par la Shoah. Or, la création de l'État d'Israël suit immédiatement la Shoah et se construit en disant « plus jamais ça ». C'est l'incarnation du « plus jamais ça », l'incarnation même la plus pure du « plus jamais ça » en ce qui concerne les violences antisémites. Le 7 octobre, c'est la fin du « plus jamais ça ». Évidemment, pour les Israéliens, ça renvoie ipso facto au pire événement de l'histoire des violences antisémites. Alors que... Et c'est là où il y a un paradoxe quand on est historien spécialiste de ces champs-là, c'est que tuer des juifs est malheureusement quelque chose de traditionnel. C'est-à-dire que 1200 morts juifs, ça ne renvoie pas à la Shoah en termes de violences antisémites, ça renvoie à tout un ensemble de violences qui ont commencé quasiment avec le premier siècle de notre ère, avec par exemple ce qui est appelé le pogrom d'Alexandrie, où une grande partie de la population juive d'Alexandrie est tuée par les Grecs d'Alexandrie, et qu'on retrouve lors des croisades au Moyen-Âge ou lors d'autres événements où on tue des juifs. Donc, il n'y a pas qu'avec la Shoah où on tue des juifs, il y a eu plein d'autres événements où on a tué des juifs. Sauf que cet événement maximal, l'acmé de la violence antisémite qui est la Shoah, a écrasé tout le reste. Littéralement, ça a tout emporté. Ayant tout emporté, les atrocités du 7 octobre renvoient au pire événement, celui qui est central dans la mémoire des Israéliens en premier lieu, des Juifs dans le monde de la diaspora en second lieu, voire en second ou troisième lieu, au reste des populations, notamment européennes, qui ont grandi dans cette histoire-là, du rejet de la violence de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Donc, d'emblée, la Shoah est convoquée. Alors que dans le même temps, et là, on a quelque chose de fondamental, vous l'avez dit. D'un côté, et le gouvernement israélien, là, a de très fortes responsabilités, s'en remettre immédiatement à la Shoah. On peut rappeler l'exemple de l'ambassadeur à l'ONU, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui s'affuble d'une étoile jaune, ce qui a tout de suite été condamné par Dany Dayan, le président du centre de Yad Vashem. Donc, ce qui montre aussi que des Israéliens n'ont pas perdu la tête par rapport à l'événement. Qui est d'ailleurs un homme de droite. Et qui est un homme qui vient du Likoud. Donc, vous pouvez être de droite et être censé, c'est pas le problème. Mais donc, il y a ça. Et donc, ça a entraîné évidemment le concert des condamnations habituelles. Sauf que, je l'ai pointé depuis de très nombreuses années, ça n'intéresse pas grand monde, mais Jean-Luc Mélenchon se balade avec un pins de triangle rouge depuis des années, une partie de ses lieutenants de la France insoumise aussi. C'est quoi ce pins? Ouais, j'allais dire, rappeler ce que c'est que ce... Voilà, ça renvoie au triangle rouge des prisonniers politiques dans les camps de concentration. Ça ne choque personne. Quand je l'évoque, la plupart des gens ne l'ont pas relevé. Mais Jean-Luc Mélenchon se balade avec un symbole concentrationnaire. L'idée étant simple, c'est nous, on combat les nazis, ou alors on est des prisonniers politiques, des héritiers, des victimes des nazis. Donc... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas moins critiquable que l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui s'affuble d'une étoile jaune? La plus forte raison que, à ma connaissance,
l'ambassadeur israélien est un juif descendant de rescapé de la Shoah ou pas, mais c'est un juif. Jean-Luc Mélenchon n'est pas descendant d'un rescapé des camps. Et il y a eu un passage très intéressant, il y a une quinzaine d'années, où il a essayé dans une émission d'impressionner Georges Champrin. Et Georges Champrin l'a envoyé bouler en rappelant qu'il avait connu des gens beaucoup plus violents que lui. Oui, rappelons que Georges Champrin était lui-même un déporté politique qui avait porté l'incident en question. La trivialisation des symboles relevant de la répression nazie, de la violence nazie, est omniprésente. Elle gêne quand on n'est pas d'accord avec le camp politique sur des principes, on va dire, déontologiques. C'est comment osent-ils ramener la Shoah dans cette histoire-là, alors que d'autres ne s'en privent pas quand ils sont dans le bord opposé. Et la convocation de la notion de génocide, vous l'avez aussi mentionné, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait 40 ans qu'Israël est régulièrement accusé par ses adversaires idéologiques de commettre un génocide. Bon, d'abord, depuis 40 ans, il n'y a aucune preuve de génocide qui a pu être apportée au-delà de déclarations tonitruantes. Et évidemment, aujourd'hui, elle est de nouveau martelée. En premier lieu, on va laisser de côté un certain nombre d'historiens ou de juristes qui en parlent, mais en premier lieu par des gens qui n'ont aucun rapport et aucune compétence particulière dans ce champ-là. Et là, on a quelque chose de fondamental. La notion de génocide est une notion extraordinairement complexe d'un point de vue juridique. C'est une notion juridique qui est utilisée par certains historiens. Ce n'est pas mon cas, je m'en défie. Mais en l'occurrence, quand on se saisit de la notion de génocide, il faut savoir de quoi on parle. Et en l'occurrence, il y a peu de gens qui savent de quoi ils parlent. On peut renvoyer par exemple à une tribune qui avait mis le feu aux poudres faite par un professeur du Collège de France, Didier Fassin, qui se targue d'être énormément de choses, sociologue, médecin, tout ce qu'on veut. Anthropologue, professeur au Collège de France. Anthropologue. Il nous dénonce ce qui serait... Il met en garde contre... Le potentiellement premier génocide du XXIe siècle. Ce qui montre à quel point ce professeur médecin, anthropologue, sociologue du Collège de France ne connaît pas l'histoire des violences de masse, notamment en ce qui concerne le XXIe siècle, puisque, à tout le moins, ce qui se passe en Chine depuis quasiment une décennie contre les Ouïghours relève, selon tout un ensemble d'organisations internationales, du crime de génocide. Donc le premier génocide, ça a commencé avec les Ouïghours, ou alors avec les Rohingyas en Birmanie, qui sont une minorité musulmane comme les Ouïghours, et qui sont persécutés, cette fois non pas pour un pouvoir communiste, mais par les Birmans bouddhistes. Donc ça montre à quel point il s'agit de dégainer immédiatement l'accusation de génocide contre Israël. Pourquoi ? Ben, Israël, ce seraient les nouveaux nazis qui commettraient un génocide. Et Fassin va même plus loin en expliquant que Israël est le digne héritier, miroir, image miroir de ce que les Allemands ont fait dans l'actuelle Namibie en 1904-1905 en tuant deux tribus dont les Herero et aussi les Nama qui dans mon souvenir sont oubliés dans sa tribune. Oui. Mais voilà. Donc il y a tout un jeu pas malsain, assumé de dire finalement les Israéliens c'est guère différent que les nazis. Ils ont été victimes, mais en fait, ils valent pas mieux que leurs bourreaux. Et in fine, ils refont la même chose. D'abord, les violences de masse ne sont pas le propre du nazisme. Tous les États au monde ont commis des violences de masse. Il y a des États qui cristallisent étonnamment beaucoup plus la tension et la dénonciation que d'autres. Et juste pour finir là-dessus, c'est fondamental. Il y a quelques années, au Parlement européen, il y avait eu la volonté de condamner ce que la Chine commettait contre les Ouïghours. La France insoumise a refusé de participer au vote. Jean-Luc Mélenchon, là il suffit de retrouver ses déclarations, expliquant que c'était des gesticulations, c'est le terme qu'il emploie, qu'il valait mieux négocier avec les Chinois. Je n'ose imaginer ce que seraient les réactions à quelqu'un qui parlerait des gesticulations concernant les accusations contre Israël et s'il fallait négocier avec Israël. Donc en fait, il suffit juste de prendre les déclarations des uns et de regarder ce qu'ils déclarent aujourd'hui pour se rendre compte de la vacuité de leurs postures, qui sont des postures idéologiques. Et à partir du 8 octobre, il y a une floraison de tribunes de gens qui ont décidé qu'ils avaient le droit de parler, mais au nom de quoi, à part de leur ego. Parce que quand on regarde la multiplication de tribunes, et là on peut vraiment brasser très large, il y a très très peu d'authentiques spécialistes, qu'il s'agisse de Israël, de la Palestine,
des questions qui relèvent du Proche-Orient, du monde arabe. Enfin, on pourrait multiplier les champs et ensuite regarder qui parle et au nom de quoi, des violences de masse, puisqu'on est affaire aux violences de masse, des questions de génocide, etc., etc. Il y a peu de spécialistes qui ont pris la parole, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ont produit des tribunes ou ont pris des paroles publiques pour raconter des choses qui sont factuellement fausses. C'est aussi simple que ça. Le factuel n'a pas d'importance par rapport à ce qui est en train de se dérouler. Et on a pu voir, par exemple, dans Mediapart, Enzo Traverso venir nous expliquer des choses là aussi factuellement fausses. Il écrit que la guerre à Gaza brouille la mémoire de la Shoah. Rien que cette phrase, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous l'entendez. La guerre à Gaza brouille la mémoire de la Shoah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans un texte qui, par ailleurs, considère que l'instrumentalisation de la mémoire de la Shoah par Israël, aurait pour objectif de justifier la guerre génocidaire menée par Israël. Dans une longue histoire d'accusations d'Israël de commettre un génocide et de devenir eux-mêmes des victimes qui sont devenues des bourreaux, effectivement, il me semble que c'est très récent que des professeurs, pas forcément des spécialistes, mais des intellectuels, s'emparent de ce slogan et produisent, entendent, déclarent produire du savoir à partir de ce slogan. Et par ailleurs, on arrive à cette espèce de très très étrange tour de vis logique où quelqu'un fait très exactement ce qu'il reproche à l'autre de faire, à savoir instrumentalisation de la Shoah pour sa propre justification, de sa position idéologique. C'est-à-dire que instrumentalisation de la Shoah par Enzo Traverso pour dire crime génocidaire en ce moment d'Israël à Gaza. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une situation d'une confusion extrême, comment vous la voyez? Et il y a quand même quelque chose de nouveau en ce moment là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de nouveau. Je pense que c'est l'ampleur, la visibilité de ça qui est nouveau. C'est cette ampleur-là qui est nouvelle et ce phénomène-là, lui, n'est pas nouveau. Mais il y a aussi quelque chose, et vous avez totalement raison dans ce que vous avez évoqué, mais il faut rajouter un acteur et qui a des responsabilités qu'il ne faut pas négliger, c'est le gouvernement israélien. Avec un certain nombre de déclarations qui sont profondément problématiques et scandaleuses. Et lui non plus ne peut pas être laissé à l'écart. Il n'y a pas seulement ceux qui sont radicalement opposés à Israël, qui font preuve d'un, ouvrez les guillemets, antisionisme, fermez les guillemets, crasse, qui sont responsables. Netanyahou et son gouvernement ont des responsabilités très lourdes aussi dans leurs déclarations, dans leur volonté politique. Et ça aussi, il ne faut pas le négliger. On ne peut pas non plus se contenter de mettre Israël en position simplement de victime. Et ça aussi, il faut le rappeler. Maintenant, en ce qui concerne les déclarations d'un Traverso, c'est un embrouillage mini de postures et d'accusations qu'Israël utiliserait la mémoire de la Shoah pour justifier un génocide à Gaza. Donc, ça relève quasiment du génie, puisque l'interview a quasiment 2 mois aujourd'hui. À ce moment-là, les experts militaires montraient que les bombardements commis par Israël sur la bande de Gaza étaient d'une ampleur quasiment inédite dans l'histoire et qu'il y avait eu plus de bombes lâchées sur Gaza en un mois de temps que dans la plupart des autres conflits dans l'histoire avant. Enfin, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, ce qui a été l'ampleur du bombardement. Est-ce qu'on peut le mettre en rapport avec le nombre de morts? Je ne suis pas en train de faire une comptabilité macabre. C'est juste essayer s'il y a des éléments qui pointent qu'on a une volonté de destruction de la population palestinienne qui relèverait de la qualification pénale de génocide. Or, en l'occurrence, si vous balancez un nombre de bombes incalculables sans équivalent dans l'histoire et que le nombre de morts demeure réduit, c'est que soit l'objectif est totalement raté, soit ce n'est pas l'objectif. De la même manière que les ordres qui sont donnés d'évacuer les zones ne colle pas vraiment avec une visée de destruction génocidaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crime de guerre potentiel. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut évoquer. Voire de crimes contre l'humanité qui peuvent être imputés à Israël. C'est des réalités qu'il faut tout de suite évoquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ceux, et Traverso est à l'image aussi de la France insoumise, qui refusent de qualifier d'un côté, qualifie immédiatement de l'autre côté. C'est-à-dire, Israël commettra un génocide, on saute tout de suite crime de guerre, crime contre l'humanité pour accoler tout de suite génocide à Israël, alors que le Hamas,
qui a commis au minimum ce qui relève du crime contre l'humanité, lui, et voire de ce qui relèverait d'une volonté génocidaire, lui n'a droit qu'à un crime de guerre. Donc ça montre aussi les enjeux et comment est-ce que on utilise le droit pour disqualifier celui qui est son ennemi. En l'occurrence, l'ennemi de la France insoumise, c'est pas le Hamas, c'est Israël. Donc Israël commet des génocides. Le Hamas, lui, commet des crimes de guerre, ce qui est beaucoup plus respectable. L'horizon de ma question, c'était toujours, c'était de vous demander comment vous abordez qu'un historien, en gros, un historien de la Shoah ou de la mémoire de la Shoah, puisse avoir, dans le contexte qui est le nôtre en ce moment, une position politique, voire idéologique sur le conflit, qu'il s'autorise à communiquer dans des tribunes. Ça, c'est un phénomène intéressant. Il n'y a pas eu... Bon, là, en France, il y en a eu un peu, mais aux États-Unis, il y a des polémiques, il y a des historiens de la Shoah qui prennent position, qui s'étripent à travers des tribunes, etc. Et c'est intéressant comme phénomène. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, pour le coup, c'est des spécialistes, ils disent des choses, ils s'opposent. Mais il faudrait distinguer... Bien sûr, il faudrait... Il faudrait distinguer qui parle et d'où il parle. Et c'est ce que j'ai dit d'emblée, c'est Enzo Traverso, prend la parole alors qu'il est spécialiste d'aucun de ces champs qui sont directement ou mobilisés ou sollicités ou concernés. Être spécialiste des Juifs ne fait pas de vous un spécialiste ni des violences de masse, ni d'Israël, ni de la Palestine, ni du Hamas, ni des Palestiniens. Voilà. Les spécialistes de la Shoah ont pris la parole pour tout un ensemble de questions autour de qu'est-ce qu'il y a le 7 octobre par rapport à l'histoire des violences de masse contre les Juifs, par rapport aux accusations de génocide. Donc là, ils interviennent en tant que spécialistes qui ont une compétence sur ces questions-là. Ensuite, qu'ils débattent et qu'ils s'étripent, comme vous l'avez dit, ça relève du débat habituel entre académiques. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une couleur un peu différente? C'est-à-dire que là, il y a des oppositions politiques, il y a des oppositions idéologiques. Quand un historien de la Shoah dit « il y a une intention génocidaire », là où un autre dit « mais non », comme vous d'ailleurs, enfin, voyez, et ces deux historiens de la Shoah qui, à un moment donné, prennent position politiquement, idéologiquement sur une actualité. Alors là, pour le coup, j'ai envie de vous poser la question, j'ai l'impression que c'est nouveau, ça, que le 7 octobre amène quelque chose de nouveau là-dessus. Je ne suis pas certain. C'est à vif, c'est saillant maintenant, mais je vous renvoie aux suites du 11 septembre 2001, où là aussi, il y a eu énormément de débats intellectuel renvoyant aux milieux académiques, et que même avant, la grande période de la guerre froide, où on a eu énormément d'intellectuels d'un côté ou d'un autre qui s'étripaient à longueur de tribunes et prises de position avec des accusations d'un camp contre l'autre, fondées ou pas. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Pas tant que ça soit nouveau que ça cristallise énormément de choses, notamment que ça ouvre tout un débat autour des questions liées à l'antisémitisme. Il y a énormément de choses qui apparaissent aux yeux d'énormément de gens. D'un coup, d'autres, enfin les spécialistes, les gens qui travaillaient dessus le savaient, où ça apparaît pour la première fois d'une façon évidente, et notamment autour de l'antisémitisme. On avait pensé disparu. Or, il se manifeste quasiment ouvertement aujourd'hui, y compris en France, ou pas uniquement en France évidemment, mais il se manifeste là où on pensait qu'il n'était plus possible qu'il se manifeste publiquement. Ça ne pose aucun problème. Alors, que ça soit sous couvert de soutien au 7 octobre pour le Hamas, on va prendre le NPA qui fait une déclaration qui est ahurissante, qui souscrit sans aucun problème à la tuerie du 7 octobre en justifiant ça par de la résistance. On ne va pas revenir sur le fait que c'est on tue des civils, on viole, on mutile. Le NPA applaudit à deux mains. Dans la suite de ça, il y a un certain nombre d'intellectuels, avec des guillemets, qui sont membres ou proches du NPA, qui sont allés aussi de leur déclaration de soutien, ce qui permet de souligner à quel point ces intellectuels-là n'ont aucun problème avec le viol, la mutilation et l'assassinat de civils. Il y a beaucoup de tribunes qui disent « on nous interdit, on nous censure, on ne veut pas nous laisser dire ce qu'on pourrait dire ». Il y a un climat d'intimidation par ces intellectuels en question. Non, c'est pas ça. C'est l'exact pendant de ce que dit de l'autre côté, dans une droite dure ou dans une extrême droite, depuis des décennies, on ne peut plus rien dire. On ne peut rien dire, ça renvoie notamment à la tribune de Fassin, au secours de qui sont venus une volée d'autres universitaires qui ont signé une pétition de soutien en disant « on ne peut plus rien dire ». Mais le seul problème, c'est qu'ils disent,
Et ils disent pas depuis une semaine, ils disent depuis des décennies leur détestation d'Israël. Donc, ils peuvent le dire, ils l'ont toujours dit, et là, on a quelque chose qui est d'une certaine façon surréaliste. Ils viennent au secours d'un universitaire, mais le secours au nom de quoi? Est-ce qu'il est menacé physiquement? Est-ce qu'il est menacé de perdre son poste? Non, il a juste eu des tribunes de réponse qui sont venues le contredire sur un certain nombre de points. Mais il faut venir au secours de quelqu'un qui a pris une position, qui a été débattue par des adversaires. Donc on est dans un moment surréaliste où d'abord on peut raconter n'importe quoi et si on se fait contredire sur ce n'importe quoi, alors on ne peut plus rien dire, ce qui est bizarre puisque ça a été dit. Et ensuite, au nom de quoi il faut venir au secours de quelqu'un qui a pris la parole? Il a pris la parole, on lui a répondu. Voilà, donc il y a... tout le monde veut parler. Ce qui m'interroge, moi, c'est pourquoi sur cet événement-là, tout le monde veut parler. Et pourquoi tout le monde s'autorise à raconter à peu près n'importe quoi. Donc il y a énormément de choses qui se jouent avec des dénégations en pagaille, alors qu'il y a un moment où il faut appeler un chat un chat. Parce que Jean-Luc Mélenchon a fait des déclarations antisémites. Évidemment qu'il fait des déclarations antisémites, pas depuis le 7 octobre, ça fait 10 ans qu'il fait déclaration antisémite sur déclaration antisémite, ce qui ne pose aucun problème, ni pour les membres de son parti, à commencer par ses lieutenants qui viennent en défense de ses déclarations et du chef vénéré. Depuis le 7 octobre, ça s'est démultiplié, ces déclarations. Mais en plus, vous avez toute une série d'intellectuels qu'on pourrait appeler intellectuels organiques pour rappeler la période communiste, qui viennent en défense de Jean-Luc Mélenchon et à qui ça ne pose aucun problème. Il faut le dire clairement aujourd'hui, pour une grande partie de la gauche aujourd'hui, l'antisémitisme ne pose pas de problème. Voilà, du moment qu'il est formulé d'une façon qui peut passer, comme en URSS sous Staline, l'antisémitisme était requalifié d'antisionisme. Donc là, Jean-Luc Mélenchon peut pêle-mêle nous dire que Zemmour est un pur produit du judaïsme. C'est pour ça qu'il est intolérant. J'invite n'importe qui à remplacer ça par quelqu'un qui dirait c'est un pur produit de l'islam ou du christianisme. Et on verrait le tollé que ça déclencherait. Là, ça n'a pas soulevé trop de problèmes et c'est justifié par la France insoumise. D'après Mélenchon, les juifs ont tué Jésus, ce que depuis Vatican II, l'Église catholique ne pratique plus. Il faut aller à Saint-Nicolas-du-Chardonnay à Paris pour avoir droit à ce genre de truc. Et depuis le 7 octobre, il nous a multiplié les sorties avec des tropes qui renvoient à tout un ensemble de références de l'antisémitisme traditionnel. Et il faut insister sur plusieurs choses. Évidemment qu'à aucun moment, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon n'a dit « les juifs ». Il n'a pas franchi le Rubicon qui permettrait de le traîner devant les tribunaux, ce qui constitue leur ligne de défense. Mélenchon n'a jamais été condamné pour antisémitisme. La belle affaire, Marine Le Pen non plus, ce qui n'empêche pas la LFI de taxer Marine Le Pen d'antisémite. Marine Le Pen manie le dog whistling, c'est-à-dire les signaux qui sont compris par ceux qui veulent les comprendre, comme Jean-Luc Mélenchon le fait. Mais ce qui vaut pour Marine Le Pen vaut pour Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas dire ce qui vaut pour l'un ne vaut pas pour nous. Donc Mélenchon parle des juifs en permanence, renvoie aux juifs en permanence, sans jamais dire le mot qui pourrait le faire prendre les doigts dans le pot de confiture. Je vais juste rappeler un élément factuel. Dans les années 30 en France, il n'y a pas un parti politique qui est ouvertement antisémite. Ce qui n'empêche pas Xavier Vallat de traiter Léon Blum de sale juif, en d'autres termes, à la tribune de l'Assemblée nationale en juin 1936. Blum et Mandel, en même temps, sont dénoncés par Vallat. Il n'y a pas un parti politique qui est ouvertement antisémite dans les années 30. Ce sont des mouvements qui battent le pavé, mais ils n'ont pas d'élus au Parlement. Si vous regardez les programmes politiques des partis qui siègent, aucun n'est ouvertement antisémite. Donc il faut arrêter avec cette fiction qui voudrait que pour être antisémite, il faudrait que ça soit au programme du parti ou qu'on vomisse les juifs en les désignant nommément. Jean-Luc Mélenchon le fait explicitement, on est au-delà du dog whistling. Quand il nous explique que Libération et BFM TV minorent volontairement le nombre de manifestants au service, enfin parce qu'ils appartiennent à un homme qui est au service du gouvernement israélien, il y a deux possibilités. Soit il a des preuves de cela, c'est-à-dire que c'est fondé. Le patron de BFM, et qui ne possède malheureusement pour Mélenchon plus Libération, puisqu'il en a fait une fondation privée, a donné des ordres. Et dans ce cas-là, Jean-Luc Mélenchon les met à la connaissance de tout un chacun, et ça prouverait ses dires, soit on est dans le complot juif. En l'occurrence, il renvoie directement au complot juif. Cette déclaration, comme d'autres, l'attaque contre Yael Braun-Pivet, est une attaque profondément antisémite. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'est focalisé sur la partie obscure de son tweet. Elle campe en Israël.
personne n'a relevé les trois premiers mots de son tweet. Voici la France. Une photo qui montre 3000 manifestants à République. Voici la France. Voici la France en opposition à Yael Braun-Pivet. On est dans la même logique que Valla en 36 qui explique que Blum et Mandel ne sont pas la France. Poujade qui explique que Mendès France n'est pas la France. Mélenchon dit la même chose. Nous, à République, les 3000 personnes, on est la France, ce que la présidente de l'Assemblée nationale n'est pas. À ma connaissance, elle a été élue par les parlementaires, eux-mêmes élus par les Français. Elle incarne beaucoup plus la France que Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus élu, et les 3000 personnes rassemblées à République. Donc, on est dans un maniement constant de déclarations antisémites, relayées ou diffusées aussi par d'autres membres de la France insoumise. Bompard, on ne va pas revenir sur le cas de David Guiraud, qui est un pur produit du soralo-dieudonisme, et ça ne pose pas de problème. Donc voilà, on peut continuer comme ça avec Louis Boyard, Mathilde Panot, qui est inénarrable dans ses déclarations, et là aussi on pourrait en faire un florilège. Donc non, l'antisémitisme aujourd'hui à gauche se porte bien. La LFI a introduit une rupture majeure dans l'histoire de la gauche, c'est la fin de la gauche jaurésienne. Jean Jaurès avait disqualifié l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus. 2017 et la France insoumise, on a une nouvelle gauche qui domine, c'est celle qui n'a plus de problème avec l'antisémitisme, qui ne le disqualifie pas. L'appel à la manif contre l'antisémitisme, le premier tweet de Mélenchon, avant même qu'il y ait un quelconque document qui circule, cette manifestation est tout de suite dénoncée par Mélenchon en disant « c'est une manifestation de soutien au massacre ». On appelle à manifester contre l'antisémitisme, c'est un soutien au massacre commis par Israël. On a tout dans cette déclaration. Depuis quand la dénonciation de l'antisémitisme a à voir avec ce qui se passe en Israël-Palestine ? En matière d'importation du conflit, c'est génial. En matière d'instrumentalisation du conflit et de dénégation de l'antisémitisme, c'est génial. Et en plus, il y a une instrumentalisation de la Shoah qui est faite en permanence par la France insoumise, puisque d'abord, ils ont essayé de se refaire une virginité en allant à une commémoration organisée par divers mouvements juifs de gauche ou non juifs de gauche autour du pogrom dit de la nuit de cristal le 9 novembre. Ils ont essayé de se présenter là. Et le jour de la manif, ils ont essayé de squatter le monument de la rave du Veldiv. Ils en ont été chassés par des militantes de la Viso et d'autres manifestants, d'autres organisations visiblement de jeunesse juive. Donc il y a une instrumentalisation de la Shoah qui est assez édifiante. Quand il y a eu l'annonce de cette agression antisémite à Lyon contre une femme qui a été poignardée, Mathilde Panot a immédiatement tweeté qu'on avait affaire à un acte d'extrême droite. À ma connaissance en France, depuis 20 ans, les juifs qui ont été tués ne l'ont pas été tués par l'extrême droite. Et en disant cela, je n'exonère en rien la menace d'extrême droite. Il y a eu un certain nombre de projets d'attentats terroristes d'extrême droite qui visaient la communauté juive, qui ont été démantelés par les services de police en France. Donc il ne faut pas le minimiser. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, quand il y a une agression d'extrême droite ou un attentat d'extrême droite, on ne peut pas ipso facto dire que c'est l'extrême droite. Quand on a affaire à un acte antisémite, on ne peut pas dire ipso facto que c'est d'extrême droite. Mathilde Panot, immédiatement, elle sait que c'est d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme qui ne vient pas d'extrême droite n'existe pas pour ces gens-là, tout simplement. Ce qui est intéressant, comment dans ce panorama tel que vous le faites, où notamment tout à l'heure vous avez rappelé qu'il y avait du dog whistling, alors je rappelle ce que ça veut dire, qu'on envoie des signes. On envoie des signes sans dire les choses. On ne dit pas les juifs, mais on envoie des signes qui viennent à la fois de l'extrême droite et à la fois de l'extrême gauche. Et en même temps, chacun de ces deux camps, à l'extrême droite, on dit, Bardella dit, je suis le bouclier des juifs, nous sommes le bouclier des juifs. Et à l'extrême gauche, Mélenchon, et dans la France insoumise, on dit, c'est notre antiracisme est la meilleure rempart contre l'antisémitisme. Il y a quelque chose, il y a une situation complètement incroyable où il y a tout ce que vous venez de rappeler là, qui me paraît assez incontestable, et en même temps, par des gens qui pensent, qui semblent penser sincèrement, qu'ils luttent eux-mêmes contre l'antisémitisme. Non, ils ne le pensent pas sincèrement. D'abord, Jordan Bardella a fait une déclaration il n'y a pas si longtemps de ça, en expliquant que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Ne l'avait pas été, oui. Oui, il n'était pas antisémite. Ça permet aussi de comprendre comment il réfléchit. Il y a plein de choses là. D'abord que le Front National et le parti de Zemmour, Reconquête, aient été présents à la manifestation, évidemment que c'est hautement problématique, il faut le pointer, il faut le dénoncer. La France Insoumise a utilisé ça comme prétexte pour ne pas s'y rendre, alors que Mélenchon n'avait même pas attendu de savoir ça pour dénoncer l'organisation de la marche. Donc déjà, il y a ce premier problème-là. Mais il y a un deuxième problème,
que moi, je suis tout à fait prêt à entendre que il y a des gens qui m'ont dit que leur présence posait problème et que ça les empêchait d'y aller. La France Insoumise aurait pu proposer, comme elle l'a fait pour d'autres manifs, un autre cortège, un autre parcours. Elle l'a pas fait. Par contre, quand ils se rend, Mélenchon, ses lieutenants, et ce lieutenant de se rendre à République pour soutenir la, les Palestiniens, il n'y a aucun problème là-dessus, ils ne s'interrogent pas sur la présence d'autres organisations qui sont pourtant très problématiques et qui sont présentes aux mêmes manifestations. Donc c'est problématique quand on dénonce l'antisémitisme, ce n'est pas problématique quand on soutient la Palestine et qu'on dénonce Israël. Donc là, eux qui ont fait du deux poids deux mesures un cheval de bataille, le deux poids deux mesures, ils le pratiquent quand ça les arrange. Simplement, enfin, ou clairement, le RN et Bardella instrumentalisent des juifs contre les Arabes, et Mélenchon instrumentalise les Arabes contre les juifs. En fait, c'est les deux faces d'une même idée, c'est juifs contre Arabes. Ce qui est génial. Chacun a son mauvais objet. Voilà, mais ce qui montre aussi à quel point les deux populations sont réifiées. Elles sont réifiées. Pour l'un comme pour l'autre, on peut utiliser ces populations pour arriver à nos fins. Est-ce que vous posez un peu une question conclusive? Vous diriez que ce moment qu'on vit, provoqué par le conflit en ce moment, qui a suivi le massacre du 7 octobre, vous diriez que c'est un moment qui marque une date, une césure, un pivot, et dans l'histoire de l'antisémitisme à l'arrière, on pourrait dire, du front, je veux dire, dans le monde occidental, et dans l'histoire de la mémoire de la Shoah? Dans l'histoire de la mémoire de la Shoah, absolument pas. Et ça renvoie à l'ineptie de ce que vous avez cité de Traverso. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la mémoire de la Shoah. Que ça a été convoqué par une partie des acteurs, c'est une chose. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça fait souche? Non, c'est pas. On n'a pas une multiplication de déclarations jusqu'à aujourd'hui du gouvernement israélien qui disent « Au nom de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on va massacrer les Palestiniens. » Donc non, ce n'est pas la mémoire de la Shoah. En matière de terrorisme, c'est un moment majeur. C'est l'équivalent sans doute du 11 septembre 2001. En matière de relations entre Israël et les Palestiniens, c'est un moment majeur. En matière d'histoire de l'antisémitisme, c'est un moment majeur. C'est une évidence. Il n'y a même pas besoin d'avoir trop de recul pour s'en rendre compte. Comme traditionnellement, que ça a été le cas en 73, en 67, en 56, on a des répercussions internationales et ces dates que je viens d'égrener sont des dates qui dépassent de loin le seul conflit entre Israël et les Arabes. Et à nouveau, il faut insister sur une chose, 56-73, c'est pas Israël contre les Palestiniens, c'est Israël contre des États arabes. Parce qu'il y a là aussi deux dimensions qui viennent s'entrechoquer. La question de l'État palestinien, qui n'existe toujours pas, plus de 70 ans après, et ça aussi c'est un sujet qu'il faut aborder, la posture du gouvernement actuel de droite extrême, alliée à de l'extrême droite qui refuse de toute reconnaissance à la légitimité des Palestiniens, est un problème de fond, auquel les Israéliens vont devoir faire face, et le gouvernement actuel refuse d'y faire face. Donc ça c'est un sujet, il y a un deuxième sujet, c'est Israël et les pays arabes, or le Hamas a sans doute notamment déclenché le 7 octobre, au moment, et on l'a oublié parce que c'était il y a un siècle, où Israël allait signer des accords avec l'Arabie Saoudite. Autrement dit, au moment où on allait passer, en finir avec le conflit israélo-arabe. Or, le Hamas a vu le danger à ses yeux qu'ont constitué ces accords. Ce qui amène à ne pas oublier qu'il n'y a pas Israël et les Arabes, il y a Israël et la Palestine qui sont un sujet, il y a Israël et les pays arabes qui sont un deuxième sujet dans lequel viennent s'enquiller énormément de choses. Et au-delà, il y a Israël et les pays musulmans, l'Iran, c'est pas un pays arabe, la Turquie n'est pas un pays arabe. Donc là aussi, il y a énormément d'enjeux, d'incompréhension quand on est en France, par exemple, par rapport à cet Orient fantasmé où à peu près tout se ressemble. Je ne sais pas s'il faut parler de rupture, mais on est face à un moment saillant historique, en tout cas. Un moment saillant duquel vont découler énormément de choses à l'international, comme dans les nationaux. Enfin, au niveau national français, ça va jouer beaucoup de choses. Aux États-Unis, on a vu tout ce qui se joue là-dedans. Qu'il s'agisse de la préparation de la présidentielle, qu'il s'agisse de ce qui se passe dans les universités, de la prise de conscience, à quel point il y a des dérives intolérables en matière d'antisémitisme dans la gauche qui se veut progressiste. Et on le constate aussi en France et on le constate dans d'autres pays.
Bon, merci beaucoup, Tal Brutmann. Merci de l'invitation. On a longuement parlé, on a été dans de multiples directions, mais je pense que ça a été très éclairant sur ce rapport entre l'histoire et de l'antisémitisme et de la Shoah, de la manière dont ça venait, ces références, cette invocation venait percuter la manière dont on aborde aujourd'hui la question du conflit en Israël et à Gaza. Merci beaucoup, Tal. Merci à vous.